Bonjour tout le monde, ici c'est Ming. La dernière fois, nous avons vu les quatre consonnes po, pro, mo, fo. Et là, nous allons encore voir quatre consonnes. Te, te, ne, le. Nous allons commencer tout de suite la ressemblance de ces quatre consonnes. Pour les prononcer, c'est un peu difficile à comprendre, mais je vais vous montrer après. D'abord, je vous le dis. C'est il faut que vous utilisez la pointe de votre langue, toucher la gencive des dents du haut. Donc, il faut vous fassiez comme ça. Pointe de la langue, toucher la gencive du haut. Voilà. Ça, c'est quand vous commencez de prononcer. Après, vous les lâchez la langue. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Ça, c'est la ressemblance de ces quatre consonnes. Là, nous allons voir les quatre différences. Pour le premier, nous allons utiliser le mouchoir. Te, te, te. Vous voyez? L'air, elle reste autour de ma bouche. Te. Voilà. Et la deuxième, te, 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 te. J'envoie l'air. L'air, elle sort de ma bouche et je l'envoie loin. Te, te, te. Et la troisième, ne. C'est comme le m de la dernière fois. Ne. Ne. L'air, elle sort de mon nez. Voilà. Et le quatrième consonne, c'est le. La différence de le, c'est l'air, elle sort de deux côtés de la langue. Le. 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 Et elle reste autour de ma bouche aussi. Le. 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 Voilà les différences. Maintenant, je vais vous faire répéter avec moi. Alors, commençons. Te, te. L'air, elle reste autour de la bouche. Te, te, te. L'air, elle envoie. Te. Ne, ne. L'air, elle monte dans le nez. Ne, ne. Et le, le, le. L'air, elle sort à côté de la langue. Le, le. Voilà, le cours d'aujourd'hui s'est terminé ici. J'espère que vous avez bien compris. Et n'oubliez pas de laisser vos avis en dessous de cette vidéo. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.